Louis Sarkozy n'a pas fini de faire parler de lui, alors qu'il s'expliquait sur sa tribune polémique sur la légalisation des drogues dans le Washington Examiner, le fils de l'ancien président de la République en a profité pour révéler tout faire pour devenir américain. J'entame les procédures pour devenir américain, je vais donc devoir payer mes impôts ici, et comme tout bon citoyen, j'aimerais savoir où mes impôts vont aller, annonce Louis Sarkozy au site Vice. L'étudiant de la New York University explique avoir désormais passé plus de temps aux États-Unis qu'en France. J'ai fait mon éducation dans une école militaire américaine où je n'avais littéralement pas le droit de parler français, donc la quasi-totalité de mon éducation intellectuelle, politique et philosophique a été faite aux États-Unis. Analyse le jeune homme de 20 ans dans Vice. Des prises de position soutenues par sa mère Cecilia Attias, mais pas publiquement par son père qui reste très discret. J'ai une relation très personnelle avec mon père, sa vie c'est la politique et je ne peux en rien l'embêter avec ça. Nos conversations politiques sont quasiment inexistantes et c'est très bien comme ça, commente Louis Sarkozy dans Vice.